Ah non, Pierre. Là, tu déshonores la famille. Autrefois, tu mangeais tout. Écoute, je suis barbouillé par la traversée. Et puis, t'as fait à manger pour 10, on est 3. Oui, je suis tellement contente de voir mon petit-fils. Ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu. Mais quand même, il est maigre comme un coucou. Là, on est là pour le travail. Et on ne peut pas manger comme ça tous les jours. N'est-ce pas, Antoine? Moi, je me régale. Hein. Merci de m'accueillir. L'île est complètement paniquée. On n'ose plus sortir la nuit. A-t-on idée d'éventrer des gens comme ça? Ouais. Et puis aussi couper la tête. J'espère que vous trouverez le coupable. Compte sur nous, mamie. C'est dégueulasse. C'est pire que ce que j'avais imaginé. C'est à l'intro ADEC, à la vie de mon père. C'était quoi le métier de ton père? Un pêcheur comme lui. Alain Troadec, 56 ans, marin pêcheur. Tué avec un couteau. Ouais, merci. Je comprends pas. Pourquoi l'avoir tué ici? Il y a quand même rien de plus glauque qu'une église. Tu sais à quelle heure il est mort? 3-4 heures du matin. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il embarque de l'autre côté de l'île, qu'il habite de l'autre côté de l'île, et qu'on le retrouve ici. Qu'est-ce qu'il foutait là à 3 heures du matin? Je sais pas. En tout cas, c'était prémédité. Vu comment il a charcuté le corps juste après l'avoir assommé. J'étais au courant de ta visite. C'est moi qui ai découvert le corps. J'ai su après que c'était Alain. Et je te dirais que pour moi, ça sera compliqué parce que c'était un ami. Oui, je te comprends, Serge, mais tu sais que le monde en renseignement peut nous être utile à quand c'est staré. Ouais, mais lundi, je suis monté au phare, comme d'habitude. J'ai aperçu quelque chose d'étrange et d'inhabituel. Donc je vous ai prévenu de suite. J'ai su après que c'était Alain. Et vous auriez rien d'autre qui pourrait nous aider? Honnêtement, non, je vois pas. Il faisait nuit, je dormais. Non, je vois pas. Merci Serge, c'est le monde en renseignement. N'hésite pas à nous rappeler. Merci. Bonjour. Bonjour. Antoine Caplin, Pierre Gonidou de la brigade criminelle. Je viens vous poser des questions par rapport à la mort d'Alain Troadec. Notamment si vous avez remarqué des choses étranges avant et puis après sa mort. Oh, on a perdu un de nos gars, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je comprends, mais le moindre renseignement peut nous être utile à quand c'est le Tarek a fait ça. Il faudrait peut-être aller voir Serge, le gardien de phare. Je sais qu'ils se sont battus la semaine dernière au bistrot. Et pourquoi ils se sont battus? Je pense que c'était plutôt dû à un fond d'alcool qu'autre chose. Je n'en sais pas plus. Et vous savez si Alain avait des problèmes avec d'autres habitants? On s'occupe pas de ce genre de choses, nous. C'est le métier, le boulot, le boulot, le métier. Et puis voilà, après, je peux pas vous aider. Bien, merci de votre collaboration. Merci. De rien, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonsoir messieurs. Ah Pierre. Bonjour Marina. Ça va? Ça fait longtemps? Ben oui, très bien. Ça fait plaisir. Ouais, moi aussi. Ça va? Je te présente Antoine, mon collègue. Enchanté. Enchanté. Moi aussi.
Dis donc, j'avais quelques questions à te poser rapport à ce qui s'est passé sur l'île. Bien sûr. On va aller se mettre un peu plus loin. D'accord. Oui. Tu étais là le soir où Serge et Alain ont eu une altercation? Oui, bien sûr. Et vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Les pêcheurs ont pris l'habitude de venir le soir ici après leur journée de travail et... Et Serge est là souvent aussi. Ce soir-là, Alain était beaucoup plus moqueur. Il lui a dit qu'il faisait rien de ses journées et... que les bateaux allaient finir par s'échouer dans les rochers. Enfin, Serge s'est énervé et... ils se sont battus. Ça n'a pas duré longtemps. On les a séparés, on est passé à autre chose. Et, la soirée s'est terminée. Merci, Marjane. Je vous en prie. Merci. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Volontiers, je vais te prendre un pastis si tu veux bien. Bon, moi je vais prendre une bière. Ouais, bien sûr. Le taré, ouais. Il le tue. Admettons. Ça fait exprès. Après, il le ventre. Il le décapite. Et il balance la tête de l'autre côté de l'île. Et je dis, on sait pourquoi? Monsieur l'inspecteur Antoine. Pour faire un puzzle. Un puzzle. Et des puzzles. Oui, ça, là, ça c'est chez Loïc. C'est chez Loïc. C'est qui Loïc? Loïc c'était mon meilleur ami quand j'habitais là. D'accord. Mais maintenant, et sa femme elle est partie, et puis il n'a plus son boulot. Et puis il reste enfermé tout le temps chez lui. Ok. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas drôle. Parce que lui, il avait un petit bateau et il allait pêcher les barres. D'accord. Sa petite canne à pêche. Et il dit, bon, c'est quoi ça? Et après, les gros bateaux, ils sont arrivés et il est plus très bon. Ça, au gros bateau? Un pas d'industrialisation! Ok, on est pas de vous. On est sérieux. Voilà. On est sérieux. On est sérieux. Antoine, t'as du nouveau? C'est super important. Je crois que j'ai compris. Compris quoi? Bah, le tueur, là, il l'a tué comme un poisson. C'est moi qui comprends pas. Bah, il l'a vidé, ensuite, il lui a coupé la tête, comme il l'aurait fait avec un poisson. Ça se tient, mais en même temps, sur l'île, il n'y a que ça des pêcheurs. Ça nous avance pas beaucoup. Oui, mais bon, ça nous éclaire quand même un peu. Ouais. Allez, bonne nuit, Pierrot. T'aurais pu attendre demain pour me dire ça. Ouais, mais ça m'empêchait de dormir. Il fallait que je te le dise. Ce que je te propose, c'est qu'on retourne voir Serge. Et qu'on écoute sa version sur son altercation avec Alain. D'accord, mais moi je reste persuadé qu'il y a un lien entre la façon dont le corps a été découpé et le tueur. Puis la victime, elle a été retrouvée juste à côté de chez lui. C'est lui qui appelle la police. Pourquoi faire ça en étant coupable? Ça serait pas le premier tueur du qu'on rencontre. Qu'il ait des remords ou qu'il en ait pas. Non mais là, des remords, il a eu le temps d'en avoir avant de décapiter Alain. On fait une demande de perquisition, et puis comme ça on sera fixé. D'accord. Il faut qu'on fasse attention. Tant qu'on n'a pas de réelle information, on ne peut rien affirmer. Bah allons le voir déjà.